Alors, en 2020, on en a eu une période de confinement mondial à cause d'une épidémie. Et ça peut rappeler les autres histoires, l'histoire de l'humanité, sera des épidémies qui m'ont encore. Et surtout, ça me rappelle l'épidémie de 1665, l'Istrat fit Londres, qui était une épidémie vraiment terrible, où il y avait énormément de morts, genre à la fin, des 100 000 personnes, bientôt au minimum. Et il y avait quelqu'un à l'époque, les Canaïch fit Londres, qui a fait les études universitaires TAO, c'était sa dernière année, où avec la personne, Esmo Isaac Newton. Alors Isaac Newton a été forcé à revenir chez lui, parce que les universitaires à Londres, en quarantaine, etc. Alors là, chez lui. Alors, quand on va dire Ferrif, quand c'était une ferme, et Newton, la vie, on va dire, de paysan, ça l'intéressait pas. Même d'ailleurs, sa mère, quand elle a voulu le chef de la ferme, elle est responsable de la mais genre, à peine Charles ou le chef d'âge, elle oublie ma fille, elle oublie ma chita avec la vie, c'est ma qui voulait faire d'Aram, quand il passait la plupart de son temps, soit à Mliyah, il regardait des livres, il prend des notes, il faisait des expériences, sorte de petits labos terreau. Et c'est avec l'année, il a été confiné, fait d'Aram. A été une année très prolifique pour Newton. Il a fait beaucoup d'avancées et beaucoup des idées. Nous savons Newton Jawah, où il est connu pour avoir eu ces idées. Jawah avec la période où il était confiné, où il n'avait pas d'autre chose à faire. Et c'est intéressant de voir à quoi Newton a passé son temps, comment une période de confinement a finalement, au final, un fruit qui a été très très utile, parce que genre les découvertes à Newton, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de technologies qui n'auraient pas été inventées, et ça a vraiment amélioré, ça a vraiment permis de comprendre le monde et l'univers d'une manière complètement différente. Il y a un avant et un après Newton. On va essayer de voir tout ça. Mais avant, on va parler un peu de Newton, de sa vie, des débuts de sa vie, comment il était, sa situation familiale. Newton, il est né en 1642, ça fait genre plus de presque 400 ans, et ça remonte à loin. C'est l'époque terrain, vraiment la science était complètement différente. Ce qui est intéressant, c'est que Newton Z l'âme les met fait Galilée, c'est même pour avoir une idée. Il était pas contemporain mais je fais la même époque, mais il l'âme les met fait Galilée. Et durant sa vie plus tard, il va étudier son travail, il va baser beaucoup de ses recherches, beaucoup de ses idées, les idées de Galilée. Et Newton il a jamais rencontré son père, il a jamais connu, parce que bébé meurt quelques mois avant sa naissance. Et sa mère s'est mariée quelques années plus tard, quand la relation à son beau-père, quand elle était très difficile, Newton qui est riche mais sa grand-mère, et quand une grande haine pour son beau-père, il est connu pour avoir fait des menaces, il a menacé sa mère et son beau-père de les brûler vivants, Fidalham. Et cette relation difficile va impacter Newton durant toute sa vie. Il a toujours été connu pour quelqu'un de... Il est pas tout bzef, il fait pas confiance aux gens, il est anxieux, il est stressé. Ça a vraiment impacté sa personnalité. Mais il a toujours été curieux, il a toujours voulu comprendre comment les choses fonctionnent. Et... il va aller faire ses études durant un lycée, ensuite il va aller à l'université, et c'est durant sa dernière année d'université que la grande peste de Londres a eu lieu, et Newton a été forcé de retourner chez lui. Mais avec l'année, ça va se révéler être quelque chose de très positif, parce qu'il va faire beaucoup d'avancées et beaucoup de découvertes. L'un des premiers domaines lesquels intéressait Newton, c'est le domaine de l'optique, c'est la lumière. Il a toujours voulu comprendre comment la lumière fonctionne, ninja les couleurs, ninja la lumière, de quoi elle est constituée. Et il faisait beaucoup d'expériences. Il y a même une histoire qui dit que Newton a fait l'expérience à l'aïnin, parce que quand il a l'aïnin qui fait ou à l'aïnin, il a les couleurs. Il a fait une aiguille, il a touché l'aïnin de l'or, pour activer les capteurs de lumière vers l'aïnin, pour prouver qu'il y a des capteurs qui font l'aïnin, qui font l'aïnin, qui font l'aïnin,
pour la les lumières et les couleurs. Et quand il habbi fam par exemple là ninji qawj qawja par exemple et ninji les couleurs hadouk, alors à l'époque kanou khammou blli mahsoub bil qutra ta al ma ou la huma li rahom ki kreyou fadouk les couleurs, huma li am provoquer ou l'apparition de les couleurs. Mais Newton il était pas d'accord, mais là kan idir les expériences bli prisme li huma la méthode li tqdar biha tkhdem, on va dire faire un laboratoire tqdar t'expérimenter la lumière ou les atiyaf hadouk. Alors mais l'expérience de la Hawa, il a utilisé deux prismes. Le prisme le Wilson par la belle lumière. On va dire le prisme deuxième, qui est la lumière elle est séparée. Aoud de jazz deuxième prisme. Aoud de combinette ou aoud de trajet une lumière blanche. Il a définitivement prouvé le prisme chez Hawa, il a provoqué avec les lumières. Mais en fait, alors, simplement, il séparait. Les il y a la lumière blanche à la base qui est composée. Mais Gahadouk, l'ATF, ou Hawa, il a prouvé ça. Alors la compréhension de l'époque hein, de Kia. Ensuite qui plus tard avec Maxwell et d'autres gens, oui, une femme nablée, la lumière en fait c'est une onde et c'est une onde électromagnétique. Femme nablée c'est une superposition taqa, donc les lumières, les couleurs عندها كل couleur عندها la longueur d'onde, c'est la superposition donc les ondes les dans la lumière blanche. Et à l'intérieur d'un prisme ce sera كل longueur d'onde عندها la vitesse d'avancement taqa ou la vitesse de déplacement taqa, c'est pour ça en bataille c'est pareil à l'intérieur d'un prisme. Et ça c'était le premier point les Newton qui n'ont pas fait. Quand on a dit que Newton est très inspiré ou très un grand fan de Galilée, c'est pas surprenant qu'il soit un grand astronome amateur, on va dire, ou un grand astronome tout simplement. Et il est connu aussi pour avoir amélioré le design de les télescopes, parce que à l'époque de Galilée, les télescopes qui avaient un défaut, oui, qui t'observaient bien, qui avaient un certain flou sur la lunette, oui, mais tu vois mieux, etc. Alors Newton ou Schdard, il a ajouté un miroir sur le design de télescope. Il a, on va dire, corrigé avec le problème et le design Tao, il est encore utilisé de nos jours et parce qu'il permet d'avoir des télescopes qui ont un plus grand zoom mais ils sont plus petits. Enfin, il a beaucoup amélioré le design des télescopes et qu'en utilisant, ben j'ai observé le mouvement des planètes, ben j'ai observé le mouvement des orbites. Et c'est pour le travail de Newton qui est le plus connu, c'est son travail sur les orbites. Et c'est had les observations, Newton à chaque fois il observait le déplacement des planètes, leur mouvement dans le ciel, quand il prenait des notes, il prenait des calculs pour faire des calculs. Et il a utilisé ce télescope à bon escient, il a eu beaucoup de résultats sur ça pour son travail suivant, là, ses autres théories. Alors après, avec le confinement d'une année, Newton est revenu en son université, Flandre, et il a continué à faire son travail à l'université. Il a été embauché même comme professeur. Alors, il paraît que Newton était un très mauvais professeur, que les étudiants théoriques que nous avons assisté à Ando, qu'il n'était pas vraiment intéressé d'enseigner, ou il n'avait pas beaucoup de succès le monde de l'enseignement, même s'il était reconnu comme un grand scientifique. Et après qu'il ait publié les travaux théoriques, qu'il ait publié les études théoriques, il a été reconnu pour sa juste valeur. Son travail a toujours été acclamé, même si certaines personnes l'ont critiqué, qu'il y a beaucoup de conflits avec d'autres scientifiques, ils trouvaient qu'ils avaient des idées de Tahambalak ou la Belkoumafanek, qu'ils avaient des travaux similaires, mais genre toujours l'idée c'est que avec deux personnes ils ont fait le même truc en même temps. Et c'est juste que Newton était le premier à, on va dire, formaliser l'idée complètement mathématiquement d'une manière qui est compréhensible, c'est bon. Et ensuite, comme le travail était à l'université, qu'un aussi un politicien, qu'un homme d'affaires, Newton a vécu une longue vie, maintenant. Et Nathalimet Defno fait une, on va dire, une chapelle ou une abbaye, des reines et des rois. C'était un endroit très très, on va dire, luxe et classe, mais une rare des grandes personnes de Defno fait homme. Et d'ailleurs la tombe Théo, elle est connue pour avoir avec une statue de Newton, mais les livres Théo, etc. D'ailleurs, avec la statue, elle fait partie, ou elle est évoquée dans un livre, de Vinci Code. Il y a une petite intrigue avec la statue, une sorte d'énigme à résoudre. Et voilà. On va faire d'autres vidéos où on aura plus en détail les lois de Newton, ce qu'elles veulent dire, comment elles interprètent le monde, parce que sont intéressantes, parce que les lois qui nous donnent avec un homme, elles fonctionnent pas, mais elles fonctionnent dans certaines conditions et il y a certaines misconceptions à les hommes, où parfois elles sont
pas toujours intuitif à la lave-vite à la tous les jours. Et peut-être on va continuer ça dans d'autres vidéos. Thank you.